au sein du RHDP. Je veux dire à certaines personnes qui se cachent derrière des individus ou faire des vidéos, parce que Gouza a donné son opinion sur 2025, Zasso a donné son opinion sur 2025. Chers amis, je n'ai pas ouvert le débat. C'est le grand frère Kafana qui a parlé là-bas et dit que le président Ouattara sera notre candidat naturel en 2025. Et Touré Mamadou est venu. Mais M. Touré Aya, est-ce que tu es obligé d'être sur ma page? Touré Mamadou est venu sur LCI, où il a parlé encore de cette candidature du président Alassane Ouattara. Moi, Zassoura, je ne suis pas un mouton. Quand j'étais au RDR, le président même est là. Vous ne pouvez pas m'intimider, vous ne pouvez pas me menacer. Moi, quand je soutenais le président Ouattara, c'était sous Gbagbo. C'est sous Gbagbo qu'on voyait un garçon. Tu sais, quand tu es au pouvoir là, et quand tu es dans l'opposition, c'est différent. Aujourd'hui, je vois des gens qui sortent, c'est pas le président Ouattara au pouvoir. C'est parce qu'on est au pouvoir, on a tout. Quand souvent, vous pensez-vous, montrez au monde entier que vous aimez Ouattara, c'est faux. Il a l'appareil de... Oui, c'est normal. Mais sous Gbagbo là, nous, on était dans l'opposition. Il fallait être garçon. Il fallait être garçon pour se mettre sur la place publique. Non, ce n'est pas vous qui allez m'intimider. Moi, je vous ai dit que 2025, moi, mon grand frère, il va se reposer. Le président Ouattara va se reposer. Et ça, là, je ne vais pas jouer avec ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Même en 2020, il a fait le plus gros sacrifice. Vipès Zasso, dans ta première vidéo qu'il vient de mettre là, tu as raconté beaucoup de conneries. Avec tout le respect qu'il te doit, laisse-moi te dire que non, nous là, la nouvelle génération que tu vois là, personne ne nous a financé. On s'est levé nous-mêmes et on est volontaire. Parce que là, nous voyons le travail abattu par le docteur Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi là, on est venu faire comme vous. Mais nous on est en train de faire comme vous. Et vous, vous voulez pencher Béry. Mais nous, on vous rappeler à la raison. Weber, personne ne nous finance. Laisse-moi te dire ça d'abord. Weber, toi, tes vidéos à 2 balles là, ne peuvent pas empêcher le docteur Alassane Dramane Ouattara de se représenter en 2025. Tout le monde est unanime que le docteur Alassane Dramane Ouattara là, il a le droit de se représenter selon la Constitution. Donc toi là, si tu as un problème avec Kafana, si tu as un problème avec Touré Mamadou, va régler ce problème avec Touré Mamadou. Parce que jusqu'à présent, là, la Constitution permet au président de la République de se représenter. Tu vois un peu? Ce que tu es en train de faire là, tu es un faux militant, VP. Tu es un faux militant. Tu es un militant qui n'est pas stable. Tu es un militant qui n'est pas stable. Tu n'es pas stable dans la tête, VP. Tu es embrouillé. Tu es embrouillé, VP. Laisse-moi te dire. Tu vois un peu, si tu fais la politique, vrai là, arrête de faire la vidéo, va sur le terrain avec les politiciens. Est-ce que tu vois Touré Mamadou venir se plaindre? Est-ce que tu vois Kakabé venir se plaindre? Nous, on t'a vu à la télé. Moi, je ne pouvais pas penser qu'un jour, toi, tu as encore en train de faire vidéo. Mais c'est parce que tu as été inconstant, c'est parce que tu étais incapable. Tu t'es laissé embrouiller par l'opposition, par le pouvoir passé. Tellement que tu pensais que tout était déjà cuit. Tu as pas dit de Laurent Gbagbo. Maintenant où Laurent Gbagbo est parti là, tu as vu maintenant, d'après toi, ton œil est déjà, tu es revenu à la maison. Mais tu penses que quand tu reviens à la maison là, quand tu es parti là, d'autres ont pris ta place. Quand tu partais derrière Gbagbo là, à ton retour là, d'autres ont pris ta place. Tu penses que ceux qui ont pris ta place quand tu es parti là, tu as venu les déloger comme ça? C'est ce que tu ne comprends pas. Tu dois rester patient. Si tu n'es pas patient là, va derrière Thiam. Parce que nous on te voit venir. Va derrière Thiam. Si tu n'es pas patient là, va derrière Thiam. Tu étais là au début, on a compris. Tu étais là au temps du RDR, on a compris. Mais pourquoi, où c'était chaud là, tu es parti? Tu n'as pas de conviction, mon vieux. Tu es sans conviction. Ça se sent par tes dernières vidéos dans ces temps-là. Tu n'as pas de conviction, mon vieux Zasso. Sinon, quelqu'un qui a des convictions là, ne peut pas s'asseoir sur les réseaux sociaux, soi-disant que son président de la République, qui s'est battu pour que ce monsieur vienne au pouvoir, que lui va venir s'asseoir pour dire que lui ne veut pas que ce monsieur se représente. Toi, tu es quel genre de militant? Tu es le conseiller maintenant. Tu es quel genre de militant? Tu donnes conseil maintenant. Eh vieux, faut tirer frein à main. Faut tirer frein à main. Sinon, tu es manqué de respect. Hein? Pour le moment, on ne te manque pas de respect. Faut tirer frein à main, mon vieil. Tu es petit même dans ça là. Même papa Djoumani, il dit après ado, c'est ado. Après ado, c'est ado. Après ado, c'est ado. Tu parles de quoi? Vous avez eu la chance de connaître Félix Houphouët-Boigny. Nous, on n'a pas eu la chance de connaître Félix Houphouët-Boigny.
Félix Oyebola avait plus de 40 ans au pouvoir. Il a transformé la Côte d'Ivoire. Nous, la nouvelle génération, on a une autre Félix Oufé-Boigny, qui est le docteur Alassane Dramane Ouattara. Toi, tu veux qu'on ait qu'à le laisser pour qui? Quand il y a pays là, quand il y a tous les partis politiques, qui peut égaler le docteur Alassane Dramane Ouattara? Selon toi, qui peut l'égaler? Arrête de nous distraire, mon vieux. Arrête de nous distraire. Parce que tu es en train de prêcher dans le désert. Si les grands frères ne peuvent pas te parler là, nous, les pays frères, viennent te parler. C'est que tu es en train de commencer, il faut arrêter. Sinon, tu es manqué de respect, vrai. On te manqué de respect même. Il ne faut pas parler qu'il y a un cadre qui nous finance. Personne ne nous finance. Mon vieux, nous, on est déjà. Nous, on n'a jamais connu un président comme ça rapide au monde. On n'a jamais connu un président comme ça. Toi, tu avais nous dit quoi? Quoi, il est fatigué? Lui, t'a dit qu'il est fatigué. Il t'a dit qu'il est fatigué. Il t'a dit que lui, il est fatigué d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Il t'a dit ça. Il t'a dit que lui, il est fatigué de transformer la Côte d'Ivoire. Il t'a dit ça. Eh, vieux, faut te calmer, hein. Faut te calmer même. Faut te calmer même. Si personne ne te parle là, je ne sais pas, peut-être tu as des petits trucs entre toi et les vieux pères là. Voilà pourquoi ils ne te parlent pas. Et ils parlent en soumrelle. Mais moi, ils viennent te parler. Faut te calmer. Écoute même ton vieux mort Johnny. Écoute Johnny. Johnny, quand tu cites à chaque fois là, Johnny, écoute Johnny. Écoute Johnny, puis il revient. Bon, faut vous savez ce qu'on fait. Moi-même là, quand le président Ouattara, parce qu'il va gagner, on va le reconduire en 2025. En 2025 là, dès qu'il gagne, moi-même là, je vais aller faire un séjour à la Maca. Ouais. Volant Johnny. Moi, j'insulte le président Ouattara. Ça fait 5 ans que je suis là à vous combattre, vous qui l'attaquez. Ça fait 5 ans. En 2025, il va gagner là. Moi, il allait fêter ça à la Maca. Ouais. Voilà. Ça, moi, il allait fêter. Si. Tu as compris, Zazo? Tu as compris? C'est toi seul. Parce que tu penses que toi, parce que tu fais des vidéos, tout le monde doit céder à tes chantages. Eh, mon vieux, dans le pouvoir d'Adola, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Va travailler. Il n'y a aucun ministre qui va te recevoir parce que tu n'es pas digne de confiance. Tu n'es pas digne de confiance. À te voir parler, on sait que tu es quelqu'un là. Tu es perturbé moralement. Tu es perturbé dans la tête. Tu es instable dans la tête. Qui va te faire confiance? Toi, au moment où on était dans l'opposition, tu allais faire débat. Le parti t'a fait confiance, tu allais faire débat. Maintenant où on part aux élections, Bagbo dit il a gagné. Tu fuis, tu vas direct Bagbo. Et puis tu reviens. Tu veux qu'une aura de faire confiance un coup comme ça. Hé, mon vieux, faut faire le rang. Quand tu es parti là, il y a des gens qui ont pris ta place. Quand tu es parti là, il y a des gens qui ont pris ta place. Donc là, si tu n'es pas patient là, faut partir. Et puis, il faut partir dans le silence. Si tu continues là, on te manque de respect. Wallahi bilay. Tu continues comme ça là, on te manque de respect. Écoutons ta dernière vidéo là. Tu as dit une parole dedans là. Écoute-toi-même. Allez, aujourd'hui, là, ils ont. Ouais. Quand on est au pouvoir, là, c'est pour rester au pouvoir. C'est pour rester au pouvoir, ouais. Moi, je dis toujours que quand on est au pouvoir, c'est pour rester au pouvoir. C'est pour rester au pouvoir, oui. Ah, mais oui. Oui. On joue pas un pouvoir. Et quand tu as ça, là, il faut savoir tirer les leçons de ton passé. Voilà. Toi, Zazo, là, tu as dit ça dans ta dernière vidéo. Ta dernière vidéo, j'ai tout écouté. Mais c'est la seule partie là que j'ai enregistrée. Tu as dit dans ta vidéo, quand tu es au pouvoir, là, faut pas jouer avec le pouvoir. Faut tirer la leçon de ton passé. Les leçons de ton passé. Pourquoi tu veux que nous on joue avec nos passés? Pourquoi tu veux? Pourquoi tu veux? Ou bien tu es en mission? Tu es en mission encore? Parce que tu es un traître. Tu es en mission encore ou bien? Tu es en mission encore. Pourquoi tu nous emmènes avec ça? Pourquoi tu nous emmènes avec ça? Tu dis tu connais Bitogo. Tu dis tu connais Adjoumani. Tu connais tout le monde. Mais va les voir. Va les voir. Il faut insister. Parce que tu fais vidéo, tu penses que tout le monde sera à ta trousse. Toi, tu es qui? Tu es qui, Zazo? Tu es qui? Maintenant qu'on a parlé, tu as dit non, parce que toi, tu n'es pas du Nord. Voilà pourquoi on te combat. C'est pas ça, mon vieux. C'est même pas ça. Dans le RHDP, là, il y a Baoulé, il y a Ebrié, il y a Atié, il y a tout le monde. C'est toi qui vas envoyer la xénophobie dans le RHDP. C'est toi qui vas envoyer la xénophobie parmi les cybermilitants du RHDP. C'est toi qui vas envoyer la zizanie parmi tous les vidéomans du RHDP. Vieux père, il faut des ressaisies. Hein. Ça, c'est une vidéo à main levée. Ma voix est cassée. Hein. Mais c'est une vidéo à main levée. Faut te ressaisir. Sinon, on te manque de respect. Mets-toi à ta place de vieux père. Si tu fais la politique, là, arrête de faire la vidéo. Va faire campagne. Va te battre pour le RHDP. Tant que tu fais vidéo là, les ministres, là, ils vont te considérer comme un vidéoman. Depuis 40 ans, depuis autant de RDR, en fait, hey, vieux, tu as déjà penché béret. On ne peut plus te faire confiance comme avant. Tu as compris? Ciao, Bango.